Ce patient était en famille lorsque sa maison a été bombardée. Il a perdu son fils. Plusieurs de ses proches, comme lui, ont dû être amputés. Il n'arrive plus à dormir à cause de la douleur. Sous anesthésie générale, les chirurgiens vont nettoyer sa plaie. Dans cet hôpital temporaire, l'équipe chirurgicale réalise entre 5 et 8 opérations par jour. Beaucoup de blessés opérés dans l'urgence pendant l'offensive israélienne ont aujourd'hui besoin d'une seconde intervention. On va faire une mise à plat d'une plaie profonde. On peut repositionner un fixateur externe. On peut faire aussi de la greffe de peau sur, par exemple, des patients qui ont été brûlés. On fait aussi, par exemple, des patients, par exemple, qui ont besoin de recevoir des pansements, mais sur des plaies assez sévères et assez graves. Donc ce genre de pansement, on ne peut le faire que sous anesthésie générale parce que sinon c'est trop douloureux, c'est une réelle souffrance. Ce sont ce genre d'interventions, clairement orthopédistes et plastiques. Les patients sont ici référés par les hôpitaux palestiniens. Mais pas seulement. Dans ces deux cliniques de soins post-opératoires, MSF identifie les patients qui ont besoin d'être à nouveau opérés. Et dans les quartiers les plus détruits par la guerre, deux équipes mobiles recherchent les blessés isolés. Parmi les cas les plus sévères qu'elles ont déjà vus, 20% ont des plaies infectées. Il faut alors intervenir rapidement. Tétanos et gangrène sont les deux infections potentiellement mortelles pour le patient.